Votre médecin traitant a constaté que votre cœur bat parfois trop vite ou que vous courez un risque accru d'arythmie pouvant mettre votre vie en danger. Ces troubles du rythme cardiaque, également appelés tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire, peuvent être perçus comme des palpitations. Dans certains cas, ils peuvent même entraîner des pertes de connaissance, mettant la vie en danger. Pour éviter cela, on vous a conseillé l'implantation d'un défibrillateur automatique implantable DAI. L'implantation d'un défibrillateur implique généralement un court séjour à l'hôpital. L'intervention dure entre 45 et 90 minutes. Lors de votre admission à l'hôpital, les derniers examens sont réalisés. Le ou la cardiologue qui réalisera l'implantation se présentera à vous. Puis, on viendra vous chercher dans votre chambre et vous conduira au laboratoire d'électrophysiologie où l'implantation sera réalisée. En règle générale, l'implantation d'un défibrillateur ne nécessite qu'une anesthésie locale. L'intervention débute par une petite incision cutanée sous la clavicule. Ensuite, une veine est ponctionnée. Une ou deux fines sondes, plus précisément des électrodes, sont alors positionnées sous contrôle radiologique dans le ventricule droit et ou dans l'oreillette. Ces sondes sont connectées au défibrillateur qui est implanté sous la peau au niveau du muscle pectoral. Le DAI est prévu pour surveiller le cœur et traiter automatiquement les rythmes cardiaques trop rapides et potentiellement dangereux. Si vous souffrez également d'une insuffisance cardiaque, une sonde supplémentaire sera posée pour stimuler spécifiquement le ventricule gauche. Après l'intervention, on vous reconduira dans votre chambre. Un contrôle radiologique et un contrôle du défibrillateur seront alors effectués. Vous pourrez quitter l'hôpital le jour même ou le lendemain. Un premier contrôle ambulatoire sera généralement effectué 4 semaines après l'opération. À l'occasion de cette consultation, on procédera à un ajustement précis et à une programmation permettant d'économiser au maximum les piles. Par la suite, le défibrillateur sera contrôlé en ambulatoire une fois tous les 6 mois. Notre équipe de spécialistes expérimentés se tient à votre disposition jour et nuit. Nous nous réjouissons de pouvoir vous soigner à l'hôpital universitaire de Bâle et vous remercions de la confiance que vous nous accordez.